la boutique de souvenirs. On retrouve Simmons, plein de les vêtements déchirés, plein de contusions. Le combat était difficile, mais il a réussi. Donc apparaît un lieu, les reliques anciennes, et c'est minuit. Enfin, on se débarrasse de ce mythe. On va voir ce qui nous attend maintenant. Boum, boum, boum. Deuxième tour. Donc, premier tour, quand même, de jeu fructueux, puisque nous avons réussi à avoir deux signes anciens. Alors, deuxième tour, perdu. Fermez les cartes entrées, objets trouvés et la chapelle jusqu'à la fin de la partie. Ah ben non. Ou retrouver, ajouter un pion destin sur la piste du destin. Ensuite, un monstre apparaît. Bon, ben on va mettre un pion destin, je pense. Et monstre apparaît. J'ai trouvé chapelle. Ça peut nous être utile quand même. Ouais, on va prendre un pion destin. On va voir, je sais pas si c'est le bon choix. Pour l'instant, on est au début. Et un monstre apparaît. Le troisième monstre. Il s'agit une chose aura qui vient dans le musée. Alors on sait qu'on va la mettre celle-là. On va la mettre. Alors il faut équilibrer une qui n'a pas eu encore. Ah si, là, il y a une place à Manomance. Donc dans les reliques anciennes, on est obligé de mettre là. Voilà. Voilà, c'est à Simmons. Alors, il est inquiet puisque désormais on a la possibilité d'utiliser à nouveau les objets normaux, mais les artefacts sont bloqués. Alors, je pourrais me débarrasser avec l'œil du dragon d'une carte. Ce que je vais faire tout de suite, je vais défausser, avoir au déplacement l'œil du dragon. Et je vais défausser cette carte. Je perds une résistance. Voilà, mais je récupère le dé rouge. Et le monstre disparaît, le sorcier. Voilà, et la carte disparaît. Une nouvelle carte. Une terrible découverte. À remplacer par une autre. Ouh, ça n'a pas facile là. Il y a un signe des anciens. Alors maintenant qu'il a utilisé son artefact, hein, ça l'a fatigué. Hein, il a senti un vent glacial qui s'est engouffré dans ses poumons et qui l'ont gelé en partie. Il a fait perdre une résistance. C'est une attaque d'Itaka qui, de son lent réveil, peut agir contre nous. On va tenter donc une nouvelle aventure. Alors lui il est assez doué avec les loupes. Bon, lui, il va se rendre vers une pièce où se trouvent des, grâce à une secrétaire, après qu'il y a une pièce au fond du musée qui détient des reliques anciennes qui ne sont pas mises dans le musée mais qui sont conservées. Donc il va s'y rendre, enquêter. Donc relique ancienne. J'ai lutté pour rester calme, mais étant donné la preuve apportée par ces artefacts, la folie était la seule réponse rationnelle. Alors, il y a un effet terreur ici. Si on fait terreur, on perd une santé mentale. Il est impressionnant. Alors, il est béni. Il a ses idées. On va tenter comme ça. On peut gagner un sort et un indice.
Alors. Attention, il y a un effet terreur là. Mais pense tout va bien, on a le parchemin et les trois loupes. Ok. C'est bien. Réussi. Deuxième. On a la loupe. Tout va bien. On a la loupe. Et c'est une aventure même plusieurs fois, trois fois. Réussi. On tue la chose rare qui s'était cachée dans le. Dans ce hangar. On a cette pièce. On fouille derrière en cherchant. On trouve quand même un sortier de l'herche. Souvenir brumeux. Ah, on peut récupérer de la santé mentale. Là, c'est ça. Et on trouve aussi un indice sur ce qui se passe dans ce musée, sur ces cultes qui veulent essayer de faire venir ces créatures innommables. Donc il a réussi à tuer Simmons, la chose de rame, mais qui rapporte 0. Il gagne quand même un point pour l'aventure. Donc ça lui fait 4. C'est mal. 27 ans, c'est l'instant. Il revient à la boutique de souvenirs. Il a dépensé 3 heures à chercher. Sinistre présage. À minuit, chaque investigateur est maudit. Oh non. Oh là là là. Pas bon ça. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. C'est moche. En plus, c'est des parchemins dans l'ordre de santé mentale. Bon. Parchemin. Il faut mettre le paquet là parce que c'est dur à voir. Quand on peut être béni. Et il y a un signe des anciens. Alors c'est peut-être un travail pour notre ami Owens Lee. C'est un travail pour notre ami Lee, pour Vincent Lee. Owens c'est un ami de Vincent Lee, qui peut-être apparaîtra au long des aventures. Perdre de santé mentale. Ouais, on arrive. Non, non, mais... Oui, en arrivant. Mais... Bon, allez. Il prend son fusil. Il prend sa coche de médecin. Et il se rend dans le jardin à l'arrière du musée. Car il y a quelque chose qui l'intrigue. Mon sang se glaça tandis que je regardais de l'autre côté du parc du musée. Des dizaines de corbeaux gisaient sur le sol mort. Alors, il faut m'en débarrasser parce que sinon, à minuit, on est tous maudits. Donc déjà, d'entrée, je perds 2 santé mentale. Pour commencer. Donc, il était bon pour l'instant. J'en profite pour utiliser mon pouvoir pour rendre un point de vie à Simmons. Avant de partir. Ouais. Une fois par jour. Au début du tour de n'importe quel joueur. Ah bah oui. Donc, ok. J'ai un indice. J'ai de quoi me... Donc là, ce que je perds. Ouais, je vais garder le whisky pour l'instant. Donc le fusil à pompe va pas me servir. Par contre, je vais utiliser le culte des ghouls. Et puis je sens le vent froid glacial d'Ithaca dans ce parc qui m'enveloppe et me gèle un peu les organes. Donc j'utilise le culte des ghouls pour avoir un des rouges. Le fusil ne sert pas là. Alors, pas un seul. Ça commence bien. J'utilise l'indice. Je relance tout.
Alors j'en ai un. Plus un joker. Donc je me concentre. Ah, je veux pas. Il me faut les trois en même temps. J'ai pas de sort. Donc je me concentre sur le parchemin. Je perds un dé. Ah oui, parchemin et joker. Réussi! Oui! Dis. Tu es un vrai. Grâce à ton sang-froid, ouais, peut-être de la famille de Bruce Lee, tu as réussi à vaincre ta peur et aller dans ce parc, affronter les horribles créatures qui attaquent la santé mentale de ceux qui s'y promènent. Et tu trouve un indice sur ce qui se passe, donc tu récupères un signe des anciens, ça fait 3. Plus tu deviens béni, puisqu'il y avait une chapelle dans laquelle tu es allé prier et qui te permet d'être désormais béni, d'avoir le dé béni. La demi. Très bonne opération. Plus le culte des ghouls qui disparaît. Et ça fait 2 points de plus. Voilà. Entre à la boutique, le vieux apparaît. Malveillant vieillard. Oula, elle maudit celui-là. Alors c'est à Simmons qui lui pendant ce temps s'est rendu dans un autre lieu. Alors Simmons, il est équipé, il a tout ce qu'il faut. Il est béni. Et lui, c'est plutôt les loups qui sont en action. Il a tout lui de bon hein. Pour l'instant, pour s'occuper la vermine. Ouais, il a entendu des bruits dans le musée et il va essayer de voir d'enquêter sur ce qui se passe. Vermine dans les conduits. De gros rats s'aventuraient de temps en temps dans le musée, attirés par le chaos imminent. Alors là, il enquête sur ces rats qui se multiplient dans le musée et qui grouillent de plus en plus. Donc il y a le dé béni. Il a décidé. Est-ce que j'utilise un artefact? On va essayer ça au début. L'empire en point de vie. Ouais. Souvenir brumeux. Ah, oui. On pourrait l'utiliser. Allez. Cliquez sur les rats. La bête qui grouille. Avec tout ce cadavre, avec tout ce qui se passe. Prolifère. Alors, on a 3 loupes. Impeccable. On a même la tête de mort, donc on peut faire le plus dur. 3 loupes plus une tête de mort. Ouais, on va prendre ça là. Hop, c'est pareil. Le dé de bénédiction, c'est comme un dé vert. Exactement pareil. Ça change rien. Donc on a réussi. Non, j'ai plus rien. C'est des loups après. Ouais. Alors, on a les 3 loupes. Impeccable. Alors, il y a un effet d'erreur, mais j'ai réussi. Non, il n'y a pas d'effet d'erreur ici, donc 3 loupes. Là, je peux utiliser le sort ou. Ouais, tant pis, je l'utilise. Les masques d'Isis. Donc, je lance le sort pour emprisonner un dé.
On perd un point de résistance, le vent fort glacial de Ithaca me gèle lorsque je prononce les paroles magiques. Et là, donc, il me faut 3 loops. Ou j'utilise le sort. Là, j'ai 3 loops. Donc, on peut le garder. Et c'est l'aventure réussie. Voilà. Et bien, je reste béni. Et le sort garde le dé. Alors, en cherchant, en enquêtant sur les rats, dans les conduits, aux alentours du musée, des évacuations, je trouve 2 armes. Une robe de culte, tiens, c'est un indice. Ou une robe de cultiste. Et un épi à cigarette porte-bonheur. Ça, c'est pas mal. Plus un indice sur les agissements secrets de cette personne. Et bien sûr, 2 points de plus de trophée. Voilà, je rentre dans le souvenir. Je lui ai tapé. Utiliser 3 heures. Tempête dans un verre d'eau. Alors, pendant ce temps, lit notre cher docteur qui a ramené pas mal d'artefacts de signes des anciens. Lui va chercher autre chose. Il vient tout juste de réussir une mission et béni désormais. Et donc, il a tenté quelque chose. Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec sa bénédiction? Il dispose de 3 loops. Quelque part. Tempête dans un verre d'eau. Je peux faire une tête de mort. Ouais, pas mal pour celui-là, je crois. Ou alors j'invoque un portail. C'est pas mal aussi. Et je perds un. Bon, on va tenter d'abord. Tempête dans un verre d'eau. Donc il se rend dans ce lieu. Tempête dans un verre d'eau. Je sentais que l'air de cette pièce était fétide et menaçant. Le mal ne voulait pas de moi ici. Alors là c'est dans l'ordre, je dois commencer par 4. Alors j'ai ma trousse, j'ai mon fusil, ma bouteille de whisky avec moi dans ma trousse. Et je vais m'attaquer à cette pièce fétide et chasser le mal. Donc j'ai que 5 dés, j'ai vu le mieux. 4 loups en premier. Alors. J'ai plus besoin des loups après. C'est dommage que c'est dans l'ordre. Pas de facile cette histoire. Je vais utiliser le sortilège 3 et 2. Voilà. C'est réussi. Donc, sortilège disparaît. C'est réussi. Non, là, on n'a pas de sort. Parce que... Allez. Maintenant, une erreur. C'est raté. C'est raté, mais je peux me concentrer sur un parchemin. Donc il me faut toujours la terreur. Je pourrais relancer. La terreur, ok, il me faut une tête de mort, mais là c'est facile parce que je peux le faire dans ce fusil à pompe. Mais je l'ai, ok, plus
Parchemin, concentration, aventure réussie. Il est bon ce médecin. Alors, je vous dois dire quand même que j'ai tiré au hasard les personnages. Hein. Mais ce sont une bonne paire. Personnages assez équilibrés au niveau santé mentale et résistance. Et avec des pouvoirs quand même intéressants. Hein. L'avantage de la ville natale pour le photographe. Et la possibilité de récupérer un point de vie aussi. Par tour pour Lee. Alors, je ne sais plus si je l'ai fait ou pas pour ce tour-ci, je le ferai pour le prochain. Donc là, il a réussi. Et donc, il trouve un signe des quatrième signe des anciens. Parfait. Quand c'est minuit. Un artefact. De l'eau bénite. Ah, ben voilà, c'est intéressant. Et un indice. Deuxième, plus un point supplémentaire. Voilà, donc il revient là. Nouveau lieu. Écriture sur le mur. Des fois, c'est un trophée, là, etc. Il y a des choses intéressantes. Alors, c'est minuit. L'heure du crime. Alors on voit que ça s'enchaîne quand même assez vite. Hein. Là, pour l'instant, on doit dire que je suis bien avec mes aventuriers. Ils se complètent bien, j'ai pas mal de chance au dé. Ça se déroule pas trop mal. On est dans notre troisième tour. La porte se referme. Défausser une carte autre monde. Il n'y en a pas. Où les ténèbres s'abattent. Trois monstres apparaissent. Alors les ténèbres s'abattent et trois monstres apparaissent. Alors là, ça se complique. Donc il y en a un sur écriture sur le mur, un vampire. Il est mieux. Un troisième. C'est quoi ça? C'est un Shoggoth. Pas beau. Alors le Shoggoth, alors le vampire, voilà, je vais pas faire voir. C'est belle, hein, ces tokens sont très beaux. Magnifique. Impressionnant. Shoggoth, sa masse suintante enveloppa les œuvres et cassa toutes avec ses tentacules. Alors là, ça va compliquer le lieu où on va le mettre. C'est bien. C'est impossible de faire là. Si. Ah, c'est minuit. On perd une santé mentale. Du coup, je vois. Ne pas s'endormir. Mais là, depuis le début, j'ai oublié de la jouer celle-là. Alors là, depuis le début, donc on a perdu tous deux santé mentale. Je suis à 4 pour le docteur, 2 pour Simmons. Faut que je fasse attention à ça. On va pas le mettre là. On va le mettre plutôt ici. Allez. Pas pressé d'y aller. Hein. Alors, c'est à Simmons. Simmons. Il va utiliser son sort, souvenir brumeux. Et restaure pleinement la santé mentale de l'investigateur dans deux. De Lee, hein, il voit quand il revient qu'il est gravement atteint et donc il décide d'utiliser son sort. Bien sûr, il perd une résistance, mais il permet de guérir grâce à ce sortilège d'un coup toute la santé mentale du docteur. Voilà,
Déjà, première action. Donc, il revient au maximum. Ensuite, donc il faut s'attaquer à ce... C'est objet unique ou un sort, hein, ouais. Donc il va aller, parce que là ils ont senti que la nuit, ils subissaient des cauchemars qui leur faisaient perdre la santé mentale, et il faut qu'ils trouvent cette pièce qui leur fait faire des cauchemars innommables. Donc ne pas s'endormir. Avec les heures qui passaient, la fatigue se fit sentir, mais je savais que dans les rêves, les créatures pouvaient s'immiscer dans mon esprit. Allez, faut faire 3 terreurs. Voilà, donc on va utiliser le dé béni, bien sûr. Plus... étui, porte-bonheur, coincé. On a des jaunes. Qu'est-ce qu'il y a des terreurs là-dessus? Donc il n'y en a pas. Hein. Alors attention, le dé jaune n'a pas de face terreur. Donc il me sert à rien, je le garde. Ouais. Sert à rien. Plutôt utilisé, donc je perds au tampine une résistance. Je suis à moitié. Je vais utiliser le rubis de Riley. Alors, ou le Necronomicon. Je vais chercher dans le Necronomicon, venir le dé rouge, savoir ce qui se passe avec ces cauchemars. Alors, pas une seule. Bravo. Je vais utiliser un indice. Je vais relancer. Là, c'est moi la difficulté. Ah, c'est pas possible! Pas une seule, que des loupes. J'utilise à nouveau un indice. Voilà, ma chance peut-être tourner pour Simon. On va voir. Une, ouf, une terreur. Donc ça me permet de continuer sans perdre de dés. Il faut deux désormais. Oui, une. Donc concentration. On concentre sur une terreur. On va perdre des. Il ne faut plus qu'une terreur. Oui, c'est bon, on en a deux. Alors deux, ben je n'ai pas besoin de deux, parce que je vais me concentrer. Trois terreurs. Voilà, aventure réussie. Donc j'ai utilisé le Necronomicon qui m'a permis de réussir cette épreuve. Et donc je gagne un indice que j'ai trouvé en lisant le Necronomicon. Donc en fouillant dans ce musée, dans cette pièce du musée, où je retrouve finalement la scène de mon cauchemar qui me terrifiait, qui me menait dans une sorte de rêve ou finalement un cauchemar où je finissais par me suicider. À cause des créatures innommables que je voyais dans mes rêves. Dans cette pièce, je finis par trouver un signe des anciens. Donc, je crois le cinquième, si je me trompe pas. 3, 4, 5, oui. Cinquième. Un sort. Bannissement suprême. Ah, défausser jusqu'à 3 monstres. Ah, c'est bien ça, on en a besoin. Il reste béni. Plus un indice. C'est bien. Je retourne. Et je me trouve 2 points. Et là, on a passé 3 heures. Nouveau lieu. Éloignez-vous des fenêtres. Deux signes des anciens, c'est pas mal. Alors c'est au docteur Wentz qui se sent beaucoup mieux depuis que Simmons revient en disant qu'il a trouvé le lieu, les causes des rêves
qui les affectait. Il en profite pour soigner de 1. Oui, il va se soigner totalement lui-même. L'antenne médicale pour notre ami Simmons. Il lui conseille plutôt d'allier ses blessures sont trop graves. Et il va essayer d'aller mener l'investigation. Qu'est-ce qu'on a? Toujours le fusil à pompe. Alors les loupes, c'est plutôt pour notre ami Simmons. Il n'y a pas tellement d'objets que ça. Hein. Alors il y a des trophées. Je vais dépenser. Est-ce que j'ai 5 trophées pour avoir un allié? 2, 4, 5, 6, ouais. Objet commun, 2 trophées. Je vais dépenser 5 trophées pour avoir un allié. Alors, il va chercher un allié. Hein, donc, dans la boutique hein, où je me trouve, dans la ville, je cherche un allié. Donc, je dépense 5 trophées. Voilà. Et je peux. À la recherche de quelqu'un qui pourrait m'aider. Je les mélange. Et je rencontre Tom Murphy, dit la montagne. Vous ignorez le coût de résistance de toutes les tâches. Durant votre tour, ignorez le coût en résistance de toutes les tâches. Ok. C'est pas mal. En effet, ça va pas m'aider là sur le coup. Donc j'ai dépensé mon temps, c'est à notre ami Simmons, qui lui va l'antenne médicale. Il dépense 2 trophées pour soigner sa... 4 trophées pour tout soigner, comme on dit gaiement. 2, 3, 4. Voilà. 4 trophées et... Il se fait une petite cure de repos, soigné par les infirmières, les infirmières de l'antenne médicale. Ouais. Et il récupère tout. C'est bien le mental que la force physique. Voilà. Donc c'est à Owens avant minuit. Il a tué un monstre. Allez, il va essayer d'enquêter sur les cambriolages. Étranges cambriolages. Si mes supputations ne sont pas erronées, les voleurs viendront ce soir et je serai là pour les accueillir. Avec son fusil, il pense qu'il va pouvoir arrêter les cambrioleurs. Ah, il a appris qu'il y avait des disparitions. Donc il va essayer de les arrêter. À son arrivée, il perd une résistance et une santé mentale. Alors, il utilise sa fiole de whisky pour pas perdre de santé mentale. Il la boit pour se donner du courage. Voilà, donc utilise le whisky. Bon, je sais pas s'il va tirer droit, mais il a bu le whisky. Et il va utiliser bien sûr son débéni. Des loupes, des parchemins ou des têtes de mort. Alors, ben là, on en a plein de têtes de mort. On a têtes de mort et parchemins, c'est pas mal. Pof, pof. Et parchemins. Ok, là, il nous faut maintenant 4 loupes. On avait tout là, dommage. 4 loupes.
Oui, réussi. Quatre loupes. Ok. Aventure réussie. Il est bon, notre docteur. Il est bon. Et donc, non seulement il arrête les cambrioleurs, mais il trouve sur un d'entre eux un signe des anciens. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avant minuit, hein. Et une arme. Plutôt un vieux un objet, un vieux journal qui va lui être très utile. Il va se servir du journal. Coup de botte pour frapper éventuellement. Et donc il gagne 3 de trophées. Là, ça valait le coup. Ok. Voilà, il revient à boutique souvenir. Un nouveau lieu apparaît. Spécimen particulier. Oh, aventure ça. Voilà, c'est minuit. Oups.